Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est en compagnie d'Avalache. Salut Avalache, ça va? Salut, ça va. Aujourd'hui, on est ici au parc de Nivelles pour vous faire un petit test, un comparatif photo entre le Samsung Galaxy Z Flip 5 et le Motorola Razr 40 Ultra. On va vous faire ça sous forme de blind test. Donc, nous allons partir tout d'abord sur la macro avec un zoom x1, x2, x4, x8. Vous allez ensuite choisir la photo qui vous plaît, A ou B. Par la suite, on vous dira à quoi correspondait le A, à quoi correspondait le B. Ensuite, on se rejoint ici et on partira chacun de notre côté faire 4 photos, toujours avec un A, avec un B. Ce sera à vous de choisir. Et puis, bah, même une petite vidéo. Une vidéo, ça peut être sympa en 4K, aussi. Directement. En 4K. On fera une petite vidéo en 4K. On va revenir ici juste après tout ça, avant de partir faire nos photos chacun de notre côté. Mike nous dira ce qu'il en pense de la première partie. Et puis, bah, voilà. Bon, la partie macro et zoom est terminée. Avalache, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, très très bien. J'ai bien aimé, je trouvais ça très sympa. T'as une petite préférence, personnellement? J'ai ma petite préférence. Moi, j'ai trouvé qu'il y en a un qui sature plus les couleurs que l'autre. Il y en a un, les couleurs sont plus flashy que l'autre. Ça oui, voilà. Maintenant, est-ce que vous allez trouver lequel? Voilà, ben, ça ce sera à vous de voir quelle est votre préférence dans les photos. On ne vous dit rien, donc vous aurez le résultat à la fin. Maintenant, on va partir chacun de notre côté. Toi, tu vas à gauche, moi je vais à droite. Et on fait quoi? 4 photos et une vidéo? 4 photos, une vidéo, puis on se retrouve ici. Ok, on se retrouve ici après. Ok. Bon, il est temps de décider ce que vous avez préféré. Si vous avez choisi un maximum de A, c'était le Samsung Galaxy Z Flip 5. Si vous avez choisi un maximum de B, c'était le Motorola Razr 40 Ultra. J'espère que cette petite expérience t'a plu. Ah ouais, j'ai bien aimé. C'était sympa, une petite balade au grand air. On a évité la pluie. On a évité la pluie parce qu'il commençait à pleuvoir avant de venir, donc c'était quand même assez sympa. Par contre, ce qu'on va faire, on va aller se bourrer la gueule. Il y a une buvette pas loin. Il y a une buvette pas loin. On est en Belgique. Fête nationale oblige. Allez, on vous laisse. Salut.